est un des plus gros paquebots du monde. 319 mètres de long, plus grand que le Titanic ou le France. Le Fantasia rentre en baie d'Ajaccio. À bord de la pilotine, le commandant du port rejoint le navire. Je vais monter sur le bateau, manœuvrer avec le commandant pour en sécurité pour le mettre à quai, à son poste à quai à Ajaccio. Grâce à l'approche précise de la pilotine, le commandant monte à bord, il va assister à la manœuvre. Accompagnement au quai, amarrage, c'est un moment crucial de la journée. Sans le pilotage, sans le lamanage et sans le remorquage et leur niveau de qualité aujourd'hui d'expertise, on ne pourrait pas prétendre à l'activité croisière à laquelle nous avons droit aujourd'hui à Ajaccio. Pour accueillir ces géants des mers, il faut des équipements. Aujourd'hui, le Fantasia inaugure une nouvelle borne d'amarrage. Ce bollard a été réalisé par une entreprise locale pour la somme de 500 000 euros et financé par la Chambre de commerce. Ça sécurise son amarrage, ça optimise aussi l'amarrage de l'ensemble du poste puisque ça permet de compenser sur les autres efforts, sur les autres bollards. Et c'est un équipement qui, dans l'ensemble, participe, on va dire, au bon fonctionnement du port. À bord, 4500 passagers venus de Russie, d'Italie ou des États-Unis à la recherche de soleil et de découvertes.